je comprends. Attends deux secondes. Déjà, moi, je voudrais remercier l'homme qu'on appelle, ça va dessus. L'homme qu'on appelle DJ Suspect, parce que lui, il a du son. Martin, comme tu l'as dit, de ses 30 ans de hip-hop, je voudrais remercier M. Gamin. Hé, Gamin, viens voir, s'il te plaît. Viens voir, mets-toi là. S'il te plaît, Stone, mets-toi là aussi. Monsieur Freeze, mettez-vous là aussi, s'il te plaît. Mettez-vous là aussi, au milieu. Monsieur Pascal Blaise, au milieu aussi. Enrique, s'il te plaît. Mettez-vous au milieu. Mr. Freeze. Alors, on va envoyer des gens qui ont à peu près entre 30 et 40 ans, voire plus 40. Voilà. Voilà. Toi aussi, tu peux mettre au milieu, parce que c'est aussi grâce à toi. Non, si, non, 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 non. Ah, je suis un enfant. Voilà. Il y a des centaines de personnes comme eux, voire des milliers même, qui sont activistes dans les hip-hop en France, en Europe aussi, mais on va plus parler de France. Et c'est grâce à eux, si aujourd'hui le 30 ans, aussi aujourd'hui le hip-hop a 30 ans aussi. Donc voilà, je voudrais que vous les remerciez bien et à vous de laisser bien fort s'il vous plaît. Faites-vous pour vous faire des choses. Parce que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui les petits peuvent mettre des casquettes en arrière, des baskets, du jogging et ils peuvent danser aussi sur ma tête. Donc il faut voir ça aussi. C'est eux qui font que nos enfants évoluent dans le bon sens. Merci Monsieur Charbonneau. Yes. En tout cas, 30 ans de l'enfant, spécialement aujourd'hui, on va faire un tout petit peu de j'attends. Ouais. Parce que c'est important. Ouais. Beaucoup de gens, quand on parle de hip-hop, les gens s'arrêtent à la danse, les gens s'arrêtent à notre style vestimentaire, mais ils oublient toute la richesse et la profondeur de cette culture, qui est avant tout un état d'esprit où nous sommes des gens de paix, de liberté, d'égalité, de fraternité, d'amour, de justice et de vérité. Voilà ce qu'est le hip-hop. On a nos disciplines par lesquelles on s'exprime, que ça soit la danse, que ça soit le DJing, que ça soit le graph, que ça soit bien sûr le beatbox. Et j'oublie bien sûr toutes les dérivées qui se succèdent, le rap, notre musique et toutes les dérivées en danse qui ont vu le jour grâce à cette culture hip-hop. Surtout, retenez bien une chose, nous ne sommes que des gens de paix, de respect, d'unité, de fraternité, de vérité, de justice. Voilà ce que représente l'état d'esprit du hip-hop selon les valeurs de la Zulu Nation. Pour ces 30 ans, alors, on va commencer tranquillement, tout doucement, avec le soleil. Tout est au rendez-vous, super, les sourires sont là, les beaux yeux sont là, les belles dames sont là, les beaux garçons sont là, les beaux enfants sont là, c'est magnifique. Tous les ingrédients sont réunis pour passer une très 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 bonne journée. Alors, d'ailleurs, on va expliquer aux spectateurs, aux concurrents, comment ça va se passer aujourd'hui. Attends deux secondes. J'ai encore une petite info, vite fait. Je t'en prie. Ceci, ce petit produit, en fait, dedans, il y a de grandes choses. Et c'est ce que fait Monsieur Suspect. Au prix simplement de 10 euros. Donc, ce que vous avez entendu, et bien, c'est ce qu'il y a là-dessus aussi. DJ Suspect, c'est le numéro 1 en ce moment, donc il ne faut pas hésiter. Applaudissez le DJ, surtout si tu veux avoir du bon son dans ta voiture, il faut aller le voir, c'est pas grave. Si tu veux avoir du bon son dans ta femme, il faut aller le voir. Si tu veux être avec ta copine tranquillement, va le voir aussi. Il y a du son, merci. Yes. Et si tu veux avoir une bonne culture musicale, va le voir. On va commencer par là. Yes. Ok. Donc, Et surtout, j'espère que tous les danseurs qui sont venus de province, parce que oui, le battle vénère, c'est ça. C'est pas que patin. Salut grand frère. Ok, respect. Le battle vénère, ça se passe pas que à Paris. Le hip-hop, ça se passe pas que à Paris. Le hip-hop est une culture universelle. On peut même plus dire mondiale, ça serait la répression. Interplanétaire. Même les Marseillais sont là-bas. Bientôt, il y aura le battle interuniversel. Ok. Interuniversel. Donc, un grand remerciement à tous les people qui viennent de province. Marseille, Bordeaux, Caen, Toulouse. Il y en a même un qui vient du Japon, là, spécialement. Et on a un popper qui vient du Japon. Donc, merci à eux d'être venus. J'espère que tout le monde a été mangé au flunch concernant les danseurs, bien sûr.
sûr. Et je voudrais aussi remercier M. Lambrieux, le directeur du Flunch, pour sa participation à cet événement. Vraiment merci à tous nos partenaires. On n'a même pas de Flunch, hein. Attends, j'arrive, quand on se voit, j'arrive. Ok, moi j'arrive là-bas. Ok. Donc la compétition, elle va se dérouler ainsi. Yes. On va avoir une compétition de break. Nouvelle formule, ce sont 5 danseurs qui vont s'affronter. L'année dernière, c'était du 3 contre 3, cette année, c'est du 5 contre 5. Au niveau du smurf pop, il n'y aura pas d'affrontement. L'affrontement se passera, la compétition se passera le 3 juin. Donc il va y avoir une sélection. Les danseurs au nombre de 15, je pense, oui. Au nombre de 15, vont passer successivement à leur tour et ils seront jugés par les jurys pop. On va retenir que c'est. Donc on en retiendra que 7 sur les 15. Yes. On en retiendra que 7 sur les 15. Car le battle vénère qualifie d'office le gagnant de l'année, les deux gagnants de l'année dernière, c'est-à-dire les deux finalistes de l'année dernière, qui sont Blondie et Ness. Blondie ne sera pas là cette année pour des raisons qui le concernent. Le monsieur tourne beaucoup, c'est normal. Et Ness sera là, donc on tirera 7. Danseur en pop. Ok ? Est-ce que tout le monde est d'accord ? T'es d'accord ? Hein ? Non, pas de soucis. Tu vas pas venir me voir en train de me dire que t'avais pas compris. Moi, de toute façon, je ne l'explique pas, c'est pas grave. Bon, DJ, balance la sauce. Hein. On commence comment là ? Alors, on va déjà présenter au public, aux danseurs, les personnes qui vont vous juger, bien sûr, au niveau de la danse, hein, au niveau personnel. Hein. Soyez pas tout de suite frustrés, comme dirait l'autre. Donc, DJ, balance un petit son, rappelez les jurys. Pour commencer, rappelez les jurys grecs. Ok, ma pleine force, je vous dirai.
Remets ça d'avant là, le truc qui couvre un peu là.